Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, nouvelle édition, en images en 8 minutes, ensemble un tour complet de l'actualité du jour. D'abord, vos prévisions météo la fin de semaine s'annoncent belles et estivales hein, dans la région avec du soleil, parfois quelques passages nuageux plus ou moins denses, mais pas de pluie de prévu jusqu'à ce week-end et des températures tout à fait stables et de saison, 24 à 25 degrés dans la métropole lilloise, un peu plus frais sur la côte et le littoral, de 20 à 22 degrés du Touquet à Dunkerque, mais du soleil globalement pour les 2 ou 3 prochains jours. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Du changement, comme souvent dans nos vies quotidiennes, au 1er août, en début de mois notamment, la prime à la conversion qui concerne les automobilistes, victime de son succès, le gouvernement a modifié quelques règles, de nouvelles mesures, pas forcément pour le bonheur des automobilistes. Explication en plateau avec Idil Gunay. Tout d'abord, le taux de pollution du nouveau véhicule a été revu à la baisse, c'est-à-dire qu'il devra rejeter moins de 117 grammes de dioxyde de carbone, le fameux CO2, par kilomètre, au lieu de 122 auparavant. Ces nouvelles dispositions excluent de la prime les modèles courants comme la Renault Clio 120 chevaux, la Dacia Logan ou encore la Fiat Panda 69 chevaux. Les véhicules diesel d'occasion sont totalement exclus de cette prime. Seuls les diesels neufs sont désormais admissibles. Autre changement de taille, le montant de la prime à la conversion est calculé désormais en fonction de votre revenu fiscal de référence. Et puis le montant lui-même de cette prime a été revu à la baisse. Il passe de 2000 à 1500 euros pour les revenus les plus modestes et de 4000 à 3000 euros pour les ménages qui habitent loin de leur travail ou qui parcourent plus de 12 000 km avec leur véhicule personnel pour leur travail. À noter que la mise à la casse concerne les voitures essence immatriculées avant 1997 et les véhicules diesel immatriculés avant 2006. Enfin, fini la prime à la conversion pour l'achat de véhicules haut de gamme, même électriques ou hybrides, comme les Tesla. Un plafond a été fixé à 60 000 euros. Pour les véhicules propres plus abordables, la prime à la conversion peut atteindre 5 000 euros pour un modèle électrique à autonomie suffisante, neuf ou d'occasion, et 2 500 euros pour une voiture hybride rechargeable. Ces nouvelles mesures devraient, vous l'aurez compris, permettre de restreindre le nombre de bénéficiaires, du coup de réduire l'enveloppe de l'État destinée à la prime à la conversion, un budget estimé à 900 millions d'euros pour l'année 2019 et qui passerait ainsi à 600 millions d'euros. L'actualité aussi à Dunkerque, la nouvelle patinoire ouvre ses portes ce jeudi 1er août après plusieurs mois de travaux. Le vétuste ensemble, Michel Raffoux a fait peau neuve. Nul besoin de préciser que la rénovation était attendue par tous, aussi bien les utilisateurs de la glace que du public. La capacité d'accueil a été doublée avec désormais 1300 places assises. Une piste olympique de 60 mètres par 30 et une autre piste plus petite ont été aménagées pour les hockeyeurs et autres patineurs dunkerquois. Ce nouvel équipement doit donner un nouveau souffle à leurs activités. La patinoire ouvre donc ce jeudi, mais rendez-vous le 6 septembre pour l'inauguration officielle et le premier match en championnat cette saison des Corsaires de Dunkerque face à Rouen. En attendant, on écoute le sentiment de cet utilisateur recueilli par Louis Caillé. Et ça va changer déjà. On aura des vestiaires, des beaux vestiaires, on aura un bureau. Je pense qu'on pourra monter en championnat parce qu'on a quand même deux équipes de filles qui sont quand même capables. On a des filles championnes de France et on a un champion de France en patinage artistique. Et le but, c'est quand même qu'il monte encore un peu plus. Jusqu'au 15 octobre, la brasserie nordiste Moulin d'Ascq teste la consigne de ses bouteilles de verre. Aujourd'hui, en France, la majeure partie de ces bouteilles de bière ou de vin sont recyclées, c'est-à-dire cassées, broyées, puis brûlées pour en fabriquer de nouvelles. Mais le processus nécessite beaucoup d'énergie. L'idée de la brasserie est donc de simplement réemployer ces bouteilles en les lavant, ce qui implique une économie d'eau de 33% et 75% d'énergie en moins. Pas d'utilisation de sable, une matière première qui tend à disparaître aujourd'hui dans le monde. Cette consigne est gratuite, il n'y a pas d'argent à récupérer pour les consommateurs, juste un acte responsable et citoyen. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. On a une quinzaine de magasins partenaires, donc principalement les Biocop, La Belle Vie, BBG.
et puis d'autres petits magasins. On est en réseau bio, hein, donc c'est vraiment dans ce réseau-là qu'on peut rapporter les bouteilles. Et c'est du retour volontaire, c'est-à-dire qu'on achète notre bouteille au prix habituel, et ensuite on la consomme avec modération, bien entendu, et ensuite on la rapporte. Donc en général, ça dépend des magasins, mais c'est en caisse, on dépose la bouteille, ou alors devant le magasin, ils ont mis des caisses. Mais voilà, et c'est un retour volontaire, donc on compte sur l'acte militant du consommateur. Dans le reste de cette édition est également une histoire insolite mais difficile à vivre pour cette mère de famille de Marquette-les-Lille. Véronique de Cotigny est propriétaire depuis 9 ans de cette maison près du canal de Roubaix. Et fin juin, elle a reçu la visite d'un délégué territorial des Voies navigables de France, lui expliquant que le terrain situé devant sa maison appartenait au domaine public fluvial. Ce terrain a été vendu par VNF à un promoteur. En conséquence, la mère de famille a reçu un courrier de mise en demeure lui demandant de libérer la parcelle sous peine d'une forte amende. Le problème pour Véronique, c'est qu'elle n'était effectivement pas propriétaire du terrain. Selon le cadastre, qu'elle n'a pas consulté précisément en achetant la maison construite par son grand-père en 1936, elle envisage donc de faire appel à un avocat pour empêcher la réquisition du terrain. Son témoignage, recueilli par Edil Gunaï. Je n'ai pas vu le cadastre, déjà pour commencer, quand j'ai signé l'acte notarié. Et ensuite, dans la famille, il était dit que c'était juste un tout petit morceau du jardin qui leur appartenait. J'en avais parlé au notaire qui m'avait dit que ça n'a jamais été réclamé, ça ne le sera plus. Donc on a signé les yeux fermés. Sauf que qu'effectivement, quand on a accès au cadastre, on se rend compte que c'est toute la partie qui est devant la maison. Mais comme ça a toujours été occupé par la famille, il y a cette prescription acquisitive qui, normalement, légalement, fait que notre jardin nous appartient. Le jardin, pour nous, a toujours fait partie de l'acte notarié. Parce que la maison, elle a été vendue, revendue à des oncles, des cousins, des frères, des tantes. Enfin, ça a toujours été dans la famille. Le problème, c'est que si on enclave ma maison, elle ne vaut plus rien. Je perds tout. Et c'est un projet de vie. Donc, il est hors de question que je me laisse faire. Comment ils peuvent imaginer mettre un parking devant chez moi et m'enclaver? Sachant que je n'ai aucune sortie à l'arrière. Donc, comment faire? Comment faire? J'en ai les bras qui m'en tombent. Je ne sais pas quoi dire ni quoi en penser. Je trouve ça complètement ridicule et aberrant. Et nous avons contacté les Voies navigables de France qui précisent avoir proposé à l'occupante un titre de location qu'elle a refusé. Le service communication nous indique qu'en termes de droit, le terrain est inaliénable et imprescriptible. Fin de ce journal. À suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.